Il s'agit en l'occurrence de notre ami Jean-Michel Sébastien.
adopție. Et ceci à quelques mètres derrière, nous avons le concurrent qui porte le numéro 17, David Maguet.
Je sais maintenant que je suis dans la catégorie de mène, que je me trouve sur son goût, je reconnais son style, qu'elle n'avait pas continuant, qui occupe actuellement la première opposition, alors que la seconde place est convoitée maintenant par le numéro 14, ce numéro 14, eh bien, il s'agit entre autres de l'HTV sur ma 44, mais c'est l'Américain, je crois ça, c'est l'Américain, mais ça demande confirmation, oui, c'est bien, oui, c'est Greg Reynolds, que tu lui fais, Michel, Greg Reynolds, c'est donc le premier Américain, le deuxième Américain de service qui va terminer pour l'instant dans cette première manche éliminatoire en seconde position. Emmanuel Frédéric King et bien Sébastien Paradis dans cette série. Frédéric King est bien sorti de la grille de départ. Sébastien Paradis s'est laissé légèrement enfermé. Il a dû rater son départ. La victoire du premier meilleur de la course est Frédéric King toujours. Et la seconde position est maintenant convoitée par le candidat qui porte les numéros. Est-ce que c'est Denis Fuzik? Non, c'est Eno, Joaquim Eno. Deux petits courants toujours. Joaquim Eno, deuxième, troisième, première position maintenant pour Frédéric King. Alors que Sébastien Paradis qui avait pris un très mauvais départ. Et malgré tout, revenu maintenant. Et ceci à 50 mètres de la ligne arrivée en troisième position. Donc, excellente prestation. Et la série 127 que nous avons là sous le jeu avec Michel Lavande qui est bien sorti de la grille de départ. Il va peut-être sortir en première position du premier virage. Il y a des gourmands avec Scalvi, avec Sauce, avec Lavidon, Rondine, Grevet, Ressel. Alors, qui s'en rend-elle? Oui, Michel Lavande en première position devant Denis Lavidon en seconde position. Alors que derrière, on tente de s'organiser. Je le vois pas, il n'est pas là, donc c'est Nicolas Vendée qui occupe la troisième place, Frédéric Calvironi, la quatrième position. Oh là là, Michel Vendée vient de tomber malheureusement dans cette première manche qualificative, il entraînait avec lui, mais un autre est bien sûr un autre candidat dans sa chute, et c'est maintenant Nicolas Vendée qui remporte. Todd Langance, un deuxième américain de service, est plein au centre de le peloton, et c'est lui qui va sortir en tête du premier virage. Est actuellement convoité par Frédéric Roland, si je me trompe avec son événement. Frédéric Roland est un peu plus loin, il avait presque la même tenue. Mais toujours Todd Langance devant Fabrice Vettoretti, alors que la troisième position est pour Anthony Rennell. Third flight for Anthony Rennell from United Kingdom. Et la ligne droite d'arrivée maintenant avec toujours Fabrice Vettoretti qui attaque peut-être Todd Langance. Oui, Fabrice Vettoretti a attaqué Todd Langance pour la première position. Attention, il y a le bon ici qui pour le numéro 64. Hier, il m'avait fait une excellente impression également, mais c'est un maillot chuté qui sort en tête. Alors, je vais découvrir de qui il s'agit. Est-ce le numéro 216, Johan Edman from Sweden. Johan Edman from Sweden, the first place with a beautiful team GT. Avec en seconde position maintenant le numéro 47, c'est-à-dire Boris Savarez pour le club de Saint-Nazaire en Pays de la Loire. Il va donc terminer en deuxième position de cette première manche qualif de nos amis Elite Men de la série numéro 130. Voilà, c'est reparti maintenant pour la série numéro 70 avec Vincent Poupino qui vient de sortir de la grille de départ d'une manière extraordinaire. Un bon vélo, ça cherche Poupino. Vincent Poupino qui est parti comme une véritable bombe avec en deuxième position le numéro 13, c'est Fabrice Bouc du club de Saint-Etienne. Alors que la troisième place maintenant est convoitée par le candidat qui porte le numéro 50 en l'occurrence. Il s'agit de Chris Clair pour le club du Gousselin en Aquitaine. Je vais vous expliquer comment je vais vous expliquer.
de Sylvain Huguet. Sylvain Huguet qui vient du club d'Arles. Il reste environ 250 mètres à parcourir. Ça touche un petit peu dans son virage. Et c'est le 69 qui occupe la deuxième position avec notre ami Nicolas Drouet de Saint-Nazaire. Voilà, ils sont 6 à s'élancer. Un pilote qui est un petit peu dans les starting blocks. Il nous a mis le 44 avec Fabrice, l'épileuse de Wolfgang. Et le pilote qui se rend à la en 1942 de course, il porte le numéro 66, Sébastien Jean-Dipanel pour le club de Bourgogne. C'est lui qui a remonté tout à l'heure la première manche qualif, tandis que la deuxième position est occupée par le numéro 20 avec David Luard pour le club de Bourgogne. Alors que pour le...